propose aujourd'hui de déguster deux blancs, un esprit de Gascogne sec, on travaille avec le domaine Chiroulé pour ce domaine viticole. Donc à chaque fois qu'on va retrouver cette marque esprit là, on retrouve un savoir-faire que vous exactement. Avez. Exactement. Donc là, c'est toujours la difficulté quand tu arrives dans les grandes surfaces, t'as un rayon rempli de différents vins. Oui, d'accord. Tu sais jamais quoi choisir quoi. Enfin, t'as tellement de propositions. Il y en a 5, l'autre à 15, c'est quoi la différence entre les deux? T'es une médaille, t'as pas de médaille. On est d'accord. Pour vous expliquer, donc cette cuvée Bella Elegance, donc Portugal, Pinot Noir, on est sur un sol assez atypique, on est sur du granit, c'est assez atypique, on est sur le centre-centre du Portugal. Alors excusez-moi la prononciation, c'est Viseu. Donc je vous propose de la déguster et de me dire ce que vous avez l'habitude de déguster. Donc c'est des cépages très clairs, hein. le Pinot Noir, vous voyez, hein, rien qu'à la robe. 13 degrés, ça se compare un peu au vin espagnol ou pas du tout? Pourcentage d'alcool, 13 degrés, t'es quand même sur des, au Portugal, avec la chaleur qu'il fait, t'es sur des degrés quand même assez faibles. Faible, ouais. Il est vachement clair en plus. C'est très clair. Bah, parce que Pinot Noir, ça me fait un peu penser à la Bourgogne. Oui. C'est vrai que tu retrouves un peu ce côté clair que tu peux retrouver parfois en Bourgogne, mais par contre au Portugal, avec le soleil. Donc j'ai hâte de voir ça. J'avoue, je suis assez curieux. Mais nous, on a commencé, tu vois. Je vois ça que tu m'as pas attendu. Ouais. Encore, c'est différent. Ah, c'est particulier. Donc ça, c'est des cuvées qu'on va, dans le futur, travailler sur le shop. Donc vous voyez, on change aussi. On n'est pas que sur des vins français, on est sur des vins aussi étrangers. Il y a des petites surprises comme ça aussi sur Selectio. Ça, c'est sympa à voir. Exactement. Des cuvées où on n'a pas trop l'habitude. Ah, c'est une vraie surprise, ouais. Ouais. Plus l'habitude d'avoir des vins plus riches au Portugal. Ouais. On est plus sur un vin accessible, facile, frais, beaucoup de fraîcheur. Tu as l'habitude de boire quel cépage sur... Plutôt des Tempranillo espagnols. Parce qu'on est quoi? On est sur 13, normalement c'est quoi? C'est plus du 14 sur un... Exactement. Les box, tu as deux styles de box. Tu as la box découverte, où tu as deux bouteilles, c'est ça. Deux crus différents. Tu as la box prestige qui, elle, reprend les mêmes vins, sauf... 3 bouteilles de chaque tous les mois, donc tu passes à 6 bouteilles par mois. Et après, tu as la box premium. Et cette box premium, c'est 3 grandes cuvées, très grandes cuvées. On peut retrouver des archanges, des cuvées comme Bella qu'on est en train de déguster. Sur ça là que je vais basculer. On en parlait justement, je pense que je vais monter un peu plus en gamme pour encore découvrir d'autres choses. Parce que ça, c'est une pépite. Hein. Ça, c'est très, très bon. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant de pouvoir, tu vois, une fois que t'as découvert un peu des vins, que t'as pris des grades un peu en connaissance du vin, exactement. Tu peux passer à autre chose et passer au prestige ou au premium. Ou là, tu découvres des vins un peu plus de caractère, quoi. Complètement. Après, rien n'empêche que quand tu es abonné à une box découverte ou une box prestige, peu importe, tu peux être également abonné à une box premium, puisque c'est deux types de vins complètement différents et tu auras des moments différents également. La question, c'est est-ce que la box premium, c'est les vins, ils sont prêts à boire ou on peut les conserver encore un peu? Très bonne question. Tu vas avoir différents types de produits, après le palais et puis la façon de déguster est complètement différente. Mais tu vas avoir une façon où tu vas pouvoir les déguster très rapidement. Par exemple, on a eu un Château Mont-Rose 2002 qui était prêt à boire, ou un Archange 2015. Qui est complètement prêt à boire. Mont-Rose peut-être moins à garder, mais tu peux quand même les garder. Et Archange 2015, tu peux clairement les garder, mais à boire, tu peux les boire de suite. Hein. Tu peux les boire de suite. Généralement, le Pinot Noir, c'est quand même assez, assez consistant, je trouve. Ça se boit sur un dessert ou un truc comme ça, quoi, non? Je suis pas forcément d'accord. Pinot Noir en Bourgogne, c'est des très jolis vins. Nous, on commence à travailler avec une très jolie maison qui s'appelle la Maison Moutard, où on travaille leur Bourgogne, leur Champagne et leur Chablis. Et tu peux les accompagner avec des très jolis plats, très jolis mets. C'est bon le Chablis ça. Oui, en blanc, 100% Chardonnay, tu vois, on a goûté un Chardonnay juste avant. Un assemblage de Chardonnay. Donc on est sur des choses quand même assez faciles et qui permettent d'être soit décanté, vieilli ou travaillé quand tu es sur la Bourgogne. Là, tu es sur des vins un petit peu plus comme dans le Languedoc où ils travaillent quelquefois le Pinot Noir. Tu es sur des vins peut-être plus faciles d'accès, on va dire, en buvabilité, rapide. Pour des gens qui n'aiment pas le vin, forcément, quand tu démarres sur des rouges comme ça, c'est top, quoi. Pas quelqu'un qui est vraiment novice. Quelqu'un qui dit oh non, j'aime pas ça le vin, je sens l'espèce de tanin. Ah, goûte ça. Ah oui, plus sucré un peu. C'est un petit peu plus sucré. Le Pinot Noir est un petit peu plus sucré. C'est un petit peu plus griotte. T'as des petits fruits acidulés et ça va très bien avec le canard. Je vais te dire, je sens le fruit acidulé, tu le sens dedans. Totalement. Et c'est la caractéristique du Pinot Noir.
on va déguster Château de Meaux 2016 pour vous expliquer. Donc là, on change, on repart en France. On bascule sur une propriété qui est basée à Cahors. Donc là, c'est Merlot Tanat. C'est deux cépages. Merlot, Malbec Tanat, pardon. Tanat, c'est un cépage qui est très présent à Madiran et qui travaille un petit peu dans le sud-ouest et qui est travaillé un petit peu sur Cahors. Et le Malbec est un cépage pur de Cahors. De base, le Malbec était très représenté à Bordeaux également. Il y a eu une crise énorme ici à Bordeaux et qui a été obligé de faire partir beaucoup de cépages, dont le Malbec, dans les pays comme l'Argentine ou autre. Ils ont continué à travailler, d'accord, ils ont continué à travailler. Château de Meaux est le second vin du château Gotoul, qui est un des grands Cahors, les 12 grands Cahors en faisait partie. Celui-là, on le retrouve dans quelle box? Et là, tu le retrouves dans la box découverte. Ok, j'ai pas encore reçu celui-là, tu vois. Non, celui-ci, vous l'avez pas encore reçu. On est vigneron indépendant, c'est un domaine qui a été repris récemment, l'année dernière, ou il y a 2021 ou 2022, par la famille Dessé. Donc c'est Serge et sa fille Clémence. Clémence qui aujourd'hui est à la tête du vignoble, jeune, elle a 26-27 ans. Et elle va travailler sur le domaine qui aujourd'hui fait une vingtaine d'hectares à peu près et va grossir environ à une trentaine d'hectares. Donc je vais vous laisser déguster. On est sur le millésime 2016, ils sont vignerons indépendants. Donc là on retrouve quand même le côté la sélection. Exactement. Où vous allez chercher des petits propriétaires. Exactement. Ou pas forcément. Exactement. Et avec Pascal, vous les accompagnez dans l'assemblage. Exactement, on accompagne ce domaine viticole Château Gotoul et Château de Meaux. Pas sur le millésime 2016, mais sur les millésimes précédents. Donc ça c'est quelque chose qu'on a sélectionné, mais on n'a pas travaillé directement dessus. Mais par contre, il a été gage de qualité, comme quoi Pascal l'a validé. Justement, expliquez-nous là comment ça se passe quand vous sélectionnez. On reçoit des échantillons de vin sous un cahier des charges qu'on a mis en place lorsqu'ils ne sont pas intégrés en vigneron direct à Pascal Châtonnet. Et en suivant, il passe une batterie de tests. Donc olfactif, dégustation, longueur en bouche, buvabilité dans le temps. Donc on demande également sur plusieurs millésimes pour pouvoir voir la buvabilité, la garde. Donc il y a une expertise qui est pointue. Un filigrame qui est suivi du début jusqu'à la fin, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Exact. Pascal Châtonnet est un dégustateur hors pair, donc ça nous permet d'avoir une confiance aveugle. Bien évidemment, par rapport à ma partie où je communique plus sur Sélectio, on se complète très bien. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, mais dans la box, on retrouve quand même des vins qui plaisent. Et pourtant, bon, mais vous ne connaissez pas tous vos clients, quoi. Donc c'est ça qui peut être étonnant aussi parfois. Sur celui-ci, du coup, en majorité, on est sur quoi? Sur Malbec? Malbec. C'est étonnant parce que j'avais eu l'habitude de goûter quelque chose de puissant, toi aussi. Ouais, des Cahors vraiment très, très durs, très complexe. Et là, on est... Toi, on est à 13,5 hein, quand même. Hein. Ouais, mais on est... c'est vachement frais. Ouais, mais t'es pas du tout sur un corps où t'as ce côté puissant, ce côté... Ouais, je sais pas trop comment l'expliquer, il est un peu plus doux. Alors si on vulgarise, un peu plus doux pour un corps. Et c'est normal de boire le vin frais, plus frais qu'enfin, je sais pas, moi, j'avais jamais... Complètement. Quand il fait chaud, le vin rouge va te monter en température, dans ton verre, automatiquement. Un vin rouge, bien à déguster, t'es 19, maximum 19 degrés. Là, je sais pas quelle température il fait, je pense qu'il doit faire une trentaine de degrés à l'extérieur. Sur un bon 30. Mais tu vas vite avoir un côté très écorce, alcool qui va sortir si tes vins sont pas mis au frais. Ok. Donc très chaud, très alcool. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là que tu retrouves, là il est descendu peut-être un petit peu trop en température, donc il va monter en température avec quand on va continuer à déjeuner. Tu vas avoir d'autres caractéristiques, des caractéristiques qui vont s'évoluer dans ton verre. Donc là, tu vas voir, il est un petit peu frais. Tu vas avoir d'autres arômes au fil du temps. À s'ouvrir. Jusqu'à arriver trop chaud et jusqu'à s'ouvrir, bien sûr. Jusqu'à s'ouvrir. Parce qu'après, tu peux les décanter, carafer. Bah, tu vois, moi, sans sélection, j'aurais pas découvert ça. Quoi. J'ai une question, du coup. Oui, et ça, je pense que tu vas peut-être pouvoir y répondre. Il y en a qui ouvrent là, il y en a qui ouvrent là. Moi, j'ai entendu dire qu'on ouvre en dessous pour éviter que le vin rentre en contact avec justement cette matière-là, pour éviter que ça l'altère. À l'époque, c'est justifié ou pas? À l'époque, oui, à l'époque, complètement. Il fallait pas que ça rentre en contact direct parce que ça altérait le goût et le goût du vin. Maintenant, on est sur des capsules qui n'altèrent plus forcément le goût. Donc tu peux mettre des stop-gouttes ou une ouverture différente. Donc là, ça pose moins de problèmes. C'est plus justifié quand même. Mais comme je vous expliquais, on est sur une cuvée qui s'appelle Esprit de Méditerranée. Donc on est en Provence. 5 cépages. Est-ce que vous les connaissez, les cépages de la Méditerranée? Du tout. J'en connais qu'un, moi. Un peu de grenache? Oui, ouais, on retrouve le fruit. Ce que j'allais dire, ce côté grenache, plus du soleil, quoi. Cinsault, du coup. Cinsault. On est d'accord. Tibourinque, qui est un autre cépage. D'accord. Rol,
et Mourvèdre. Donc là, je vous propose de faire un accord où on n'a pas trop l'habitude. C'est un accord dessert rosé. On va déguster ensemble, donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais avoir une question. Alors, c'est un rapport ou pas? Est-ce que tu peux expliquer la différence entre un AOC et un IGP? Ah oui, très bonne question. L'AOC est une appellation d'origine contrôlée. Donc, tu as un cahier des charges un petit peu plus strict, on va dire, qu'un IGP. Mais dans le vin? Ouais. Dans le vin. Oui, je pars dans le vin. Ouais. Un IGP, tu es sur une indication géographique protégée, donc tu es sur un autre système de cahier des charges, peut-être un petit peu plus souple. Et en dessous de ça, tu as une autre classification qui est vin de France, si tu rentres dans aucun des cahiers des charges. Par exemple, imaginons, tu travailles un cépage chardonnay Bordeaux, tu ne seras pas en IGP, tu seras en vin de France. D'accord. Voilà, tu seras déclassé. Non, c'est une bonne idée, le rosé avec le dessert, j'y penserai. Alors oui, ça change sur un été, en plus c'est plutôt sympa, quand vous êtes en terrasse c'est en sûr, été, c'est sûr. Ça rafraîchit en fin de repas. Plus tendance à boire des bulles en fin de repas, mais c'est vrai. Des petits créments. Ou... Ah, mais tu vois, je suis pas très bulle. Et là, pour le coup, j'apprécie un peu plus. Et tu vois, sur une tarte citron, par exemple, tu as un côté un petit peu plus acidulé avec le rosé, ça s'accorde plutôt bien. Et ça, c'est sur le shop qu'on va le retrouver. Ouais, complètement. Sur le shop, et surtout, voilà, on est en pleine période estivale, vous pouvez vous faire plaisir là, cet été avec du rosé. Encore merci, Pierre. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Un bon moment de partage. Belle philosophie encore, hein. Déguster, partager. Complètement, c'est notre philosophie. Et puis c'était un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce moment de partage. On a adoré en tout cas. Merci beaucoup.